Moncton est comme le moyeu d'une roue, et les excursions d'une journée peuvent vous mener dans toutes les directions. Lors de notre dernière visite à l'automne, nous avons apprécié le contraste créé par les marées hautes et farouches, le littoral rocailleux de la baie Fundy et les longues plages sablonneuses du détroit de Northumberland. Lors des visites antérieures à cet endroit, nous avions passé peu de temps à explorer la région allant de Shediac à Kachibouac. Mais lorsque nous l'avons découverte, nous avons été envoûtés et nous y avons fait de nombreuses excursions d'une journée. Cette région est évidemment des plus populaires durant l'été, étant donné qu'elle est reconnue par son eau chaude. Mais l'automne vous offre également beaucoup. Nous vous suggérons de visiter Shediac, qui est reconnu pour son plus gros homard du monde et sa plage parlée, une des plages parmi les plus populaires du Canada Atlantique durant l'été, mais également un endroit fantastique où marcher l'automne par une belle journée ensoleillée. Au nord du Shediac se trouve Bouctouche, qui est reconnu pour son pays de la sagouine et l'Eco Center Irving, la dune du Bouctouche. La promenade du bois de 2 km le long de la dune est ouverte toute l'année. Et si vous voulez explorer des sentiers encore plus beaux, allez au parc national Kuchibouac. Nous avons apprécié parcourir ces sentiers dans la forêt, mais le plus beau spectacle était certainement la plage à perte de vue longeant le détroit de Northumberland.